If you fuck with winning, put your lightest to the sky. How could I make sense when I got millions on my mind? Coming with that bullshit. Salut à tous les amis, c'est JT Club Moon. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de retour de vacances, donc mes achats de vacances. Voilà, on va appeler ça. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais, je tiens à m'en excuser, mais du coup, je suis parti en vacances 2 semaines et demie. Voilà, ça m'a fait bien plaisir ces vacances après une année extrêmement difficile, surtout pour moi qui a des difficultés à l'école, qui a un trouble 10, on appelle ça. Donc, voilà. Donc, ces vacances ont fait bien plaisir pour moi. Ça m'a rafraîchi un petit peu la tête avec l'école. Et je suis ramené des jeux. Ramené des jeux dans le Loiret. Voilà, on va appeler ça comme ça. Donc, chez moi. Donc, alors, on va commencer par quoi? Par le jeu en solde que j'avais acheté en solde. Donc, on va appeler. Alors, je vous avais dit que je n'achèterai jamais de jeux essentiels. Mais du coup, c'est trop tard. Bah, au final, j'ai craqué. Hein. Avec le Motorstorm en version essentielle. Mais bon, ça c'est pas trop grave. En plus, ah bah non, c'est un jeu platinium au final. Parce que regardez à l'intérieur, le CD il est en platinium et la boîte est en essentiel. C'est pour ça que la boîte elle est en boîtier platinium. Donc du coup, ils ont vu comme en plus. C'était pas une jaquette officielle, vu qu'il n'y avait pas le sort de petit truc de PS3. Donc au final, ils ont dû échanger la jaquette avec un. Donc, ouais, je vais faire ça. Je vais peut-être échanger la jaquette en mettant une jaquette de platinium. Bon, laissez tomber. Donc, ouais. Ensuite, en cache, donc on va commencer par celui-là. Il y a la nénette. Le chat. Voilà. Vous le voyez pas. Vous voyez cette petite souris tout à l'heure. Ouais, bon. On continue avec elle. En bas, j'ai la net sur mes, j'ai le chat sous les jambes en pleine vidéo. Voilà. Donc, on va continuer avec Radio Elector et Hélicoptère. Un jeu intéressant. Bon, j'ai vu sur internet qu'il n'était pas très bien noté. Je crois que c'était 4 sur 20 ou 6 sur 20, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Voilà. Et ensuite, le deuxième jeu en cache. Ça tombe, c'est le Jeux Olympiques sur PS3, voilà. Donc je vais passer un peu plus vite parce que là ça fait long. En plus j'avais le chat sur mes jambes là. Donc on va commencer par du moins cher au plus cher. Parce que j'ai commencé par là. Donc, j'ai récupéré le Cerebrum, voilà, sur la Wii, 1€, sans notice. J'avais récupéré la version DS de Tamagotchi, et là, je récupère la version Wii de Tamagotchi, de Party One, on, plutôt. Donc, voilà, 2€, Saint Round, voilà, 2€ également. Et Norm Heroes, sans doute le meilleur jeu de tout ce que j'ai acheté, je pense. Ouais, ça doit être celui-là. Hein. Sans hésiter, c'est celui-là le meilleur jeu. No More Heroes, voilà. 5€ celui-là, par contre. Ah oui. Elle avait mis à 7, 6, je crois. Non, elle l'avait mis à 8. Elle me l'avait baissé à 6, je trouve. Que ça encore un peu cher, 6. Elle me l'avait baissé à 5. Elle voulait vraiment s'en débarrasser au final, donc
j'ai pris. Voilà. Donc voilà, donc 10 € de jeu en ligne premier, plus 6 € sur Jeux Olympiques. Certes, j'aurais peut-être dû le trouver moins cher, mais j'étais à Piquage de Narbonne et je me décidais, vu comme en fait c'était ma journée, puisque j'avais eu le brevet, c'était ma journée, il fallait que je me fasse un peu plaisir. Je ne voyais pas pourquoi je devais repartir les mains vides avec que celui-là, avec que le Radio Electra. Donc au final, j'ai pris l'hélicoptère. Les Jeux Olympiques à 6 €. Donc, voilà. Ouais, je vais pas te dire le total de tout ce que j'ai acheté. Ouais. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez plu cette vidéo. J'essaie de faire un peu plus de vidéos, même si il n'y a pas beaucoup de bitcoin par chez moi, malheureusement. Ces temps-ci, hein, vous voyez, le bitcoin que je l'ai fait pendant les vacances dans le sud. Alors, j'étais à Argeliers. Il y a le canal du Midi. Du côté de Narbonne. Toulouse-Narbonne, par là. Plus vers Narbonne que Toulouse, du côté de Béziers aussi. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Et en plus, il y a une petite vidéo que je vais mettre en ligne sur ma chaîne secondaire également, puisque j'avais filmé le bowling de Toulouse, de Motoban, qui était vraiment excellent. J'aurais dû aussi filmer le bowling de Béziers, parce qu'il est bizarre. Et particulier, parce que c'est le premier bowling européen qui est comme ça. Voilà, bref. Vous verrez le bowling de Toulouse dans ma chaîne secondaire pour l'instant. Là, c'est sur la chaîne principale. On est censé parler de jeux vidéo. Donc, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et ciao tout le monde. Bye.